Bien, alors donc on va essayer de voir comment faire si on oublie le mot de passe ou bien si on sait pas se connecter sur la plateforme. Donc si on oublie le mot de passe ou bien si on ne sait pas se connecter sur la plateforme, sachant que je suis étudiant de la faculté Sciences Melalia. Alors, donc ce qu'on va faire tout simplement, on va taper le lien ecampus.fssm.uk.ma. Contrôle C, donc je vais vous le montrer. Donc ça c'est l'adresse, si vous voulez, c'est l'adresse que je dois taper. Hein. Ça c'est l'adresse que je dois taper, http ecampus-fssm.uk.ma. Donc c'est la nouvelle plateforme. Bien, donc il faut la mettre dans un navigateur sur la barre des adresses. On valide. Donc une fois qu'on valide, bon, évidemment, je ne peux pas me connecter puisque j'ai oublié mon mot de passe ou bien, évidemment, il faut bien connaître son CNE ou bien son code MASAL. Alors, dans ce cas-là, je dois remplir le formulaire. Le formulaire, il est tout simplement à droite. La requête. Donc, la requête, il va être traité dans 24 heures. Donc, et normalement, lorsqu'on traite un cas, le login, ça va être le CNE ou bien le code MASAR, et le mot de passe, c'est le CNE ou le code MASAR, avec une obligation de changer le mot de passe à la première connexion. Voilà, bon courage.